bonnet. C'est la sortie. Il a fait exprès, il va dire. Tiens, maman. Tu veux que j'en fasse quoi? Comme ça, tu la gardes. Donc, bienvenue à tout le monde sur un direct du groupe Pétanque. Donc, nous sommes pour la partie de cadrage. Donc, je suis en compagnie de notre ami Chapeauman, du moins le bonnet maintenant. Donc voilà, on l'avait promis, on achèterait le bonnet, donc nous l'avons pris. Donc on va vous proposer une partie de tirage entre l'équipe de Stéphane Guérin et l'équipe de Monaco. Donc voilà, une belle partie en perspective. Donc voilà, on vous souhaite à tous du bon jeu. Donc voilà, nous allons vous proposer cette partie en direct sur le groupe Pétanque. Combien? Hein, c'est là-bas. On travaille moins là. On travaille moins sur le nouveau boss. Donc, la composition des équipes, vous avez pour l'équipe de Monaco, Mot-Éric, Milo Franck et Gives Jean-Pierre contre Mézic Michel qui est son anniversaire aujourd'hui, si je ne me trompe pas, avec Guérin Stéphane et Sebouzi. Yanis. Nous nous excuserons, mais voilà, c'est notre ami Ludac Staff de Marc qui a écrit, malheureusement, il n'est pas allé bien longtemps à l'école. Donc voilà, on vous propose aussi donc Stéphane Guérin avec la casquette jaune, qui est administrateur du groupe Pétanque, qui s'occupe de la partie développement chez les jeunes. Là, ils ont décidé d'attaquer tout de suite. Il y a bien 0-0 et non le score qui est affiché. Ouais, voilà. Ils n'ont pas mis le. Damien, tu pourras juste demander qu'ils mettent les scores à jour. Ouais. Ça. Sur l'équipe Guérin au terrain 4. Monsieur qui joue dans le carré d'honneur, donc pensez bien à mettre les scores à jour, s'il vous plaît, pour les nouvelles parties qui viennent de débuter. Donc voilà, je suis en compagnie de Mika et son joli bonnet. Donc voilà, on commente. On vous remercie encore de nous suivre. Donc voilà, nous sommes. Belle partie qui a opposé l'équipe de Monaco, voilà. L'équipe de Guérin. Tout à fait ça. On peut pas partie. Dire que c'est une équipe de. Il joue déjà, Steph. Voilà. Ah oui, Stéphane, ça joue très bien. Hein. Il joue à la Pétanque Romanaise, voilà. Qui a régulièrement des championnats de France, donc qui était associé ces dernières années à Jordan Wolf et Grenoble Boursicot en triplette, qui a été champion de la Drôme tête à tête il y a deux ans. Cette année, il n'y a pas de championnat. Jordan Wolf, cette année, a rejoint l'équipe de Bronterre-Rayon pour jouer avec ses anciens partenaires Seb Calmel et. Je connais pas le troisième. Donc ça c'est Michel qui est au point pour l'équipe Guérin. Donc qui a fait un point à 50 devant. Voilà. Tirage case 18 pour Lionel Bougnard. On sera couvert pour jouer face à David. La Fiandra face à Bougnard. Du coup, Mika, le bonnet, on le supporte bien. Hein. S'il vous plaît, ainsi que Sylvain Vermard, s'il te plaît. Je n'ai pas validé beaucoup de choses du week-end, mais ça, je te le valide. Viens récupérer ta fiche de jeu, s'il te plaît. Donc, nous vous proposons cette partie. Je vais monter la caméra, ça sera fait, parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui circule devant.
Parfait, comme ça, nous ne serons pas gênés par les supporters devant, puisque bien sûr, l'Alpe d'Huez attire aussi beaucoup de supporters. Et toi? Donc, on vous rappelle que tout à l'heure, il y a Hervé Brouty, il nous regardait la partie, et du coup, De Souza s'est qualifié avec Eric Caillot et Stéphane Durand. Donc, ils ont gagné leur première, ils attendent pour les cadrages, pas couverts. Laisse-moi finir, j'avais pour 5 minutes. Voilà, Jérôme De Souza qui fait partie des favoris, que ce matin il a battu Philippe Souchaud à la deuxième partie. 11, non ? 11, 15, non ? Après tu tombes à 15, alors 22, 6, 6 cadrages, et après tu tombes à 15. 8. Alors on est bien le kill. Donc, première main pour l'équipe Monaco. Guérin ? Donc c'est l'équipe Guérin qui mène 1-0. Elle tombera pas plus bas. Donc voilà, on vous rappelle aussi la qualification de Christophe Sario avec. Non, Sario, il a perdu. Ah non. Ah ouais, si. Il a perdu, Christophe. Bon, ben voilà. Christophe Sario. Mais non, en 12 à 3, il m'a dit. Et... Malheureusement, ils sont inclinés 13 à 12. Mais bon, on connaît tous les qualités de Christophe Sario dans ses parties tout pourries, mais bon. Voilà, donc on va dire que Ibrahim Aslantas... Ibo a dû être vraiment costaud pour jouer avec lui aujourd'hui, je pense. Quel fou, c'est... Ah mais ça vous montre aussi le niveau du national. Voilà. Tout à fait. C'est un Sario, il mène 12 à 3. Une petite boutade, voilà. Mais... Tout à fait, je pense que... Eh ben, on a moins froid aux oreilles. Ben, moins froid aux oreilles. Donc, pour Monaco, ça doit être... Donc, c'est Eric Mott qui tire. Tout à fait. Et ça doit être Jean-Pierre au point. Non, c'est Milo. Milo, il fait mieux. Donc c'est Jean-Pierre au point, c'est bien ça. Donc on rigole, mais... Bon, prenons les choses sérieuses. Ouais, parce que... Sur le terrain numéro 5, l'équipe de Cassis, ouais. Ils sont 12 à 11 dans une partie vraiment, vraiment serrée. Allez, David Didier, donc qu'on retrouve pour les parties de cadrage, c'est la case numéro 28, on sera pas couvert. Donc c'est Yacine qui tire. Après deux échecs de la première main. C'est Bouzy Yanis Sibouzy qui tire devant Stéphane Garin. Donc Stéphane Garin qui va faire le milieu de cette partie. Là c'est Eric Mott qui va s'employer. Allez, qualification pour les cadrages de Jérôme Dintrono. La 61. Donc merci à 15, tout le monde. 45, donc Ryan. Ryan Ours, il joue Stéphane Garin avec Sebouzi Yanis et Mézik Michel. Donc voilà, Stéphane Garin qui mène 1-0. Donc voilà, c'est la deuxième main. Là. Et sur le terrain 4, l'équipe de Christophe Sevilla joue les Rousseaux qui sont accrochés. 12 à 11, je crois. 12 à 11 aussi. On sera pas couvert pour la partie qualificative. Henri Lacroix, qu'on retrouvera en 16ème de finale. Ils sont pas bien, l'équipe Philippe Barraud, de Haute-Savoie. Je vais récupérer le carton de jeu, s'il te plaît. Notre Roger Coche. Donc Yanis encore au tir. Manqué. Allez, qualification de juste Romain pas droit. Hidalgo pour le parti de cadrage 15. Donc voilà, 13, Romain Hidalgo, l'administrateur du groupe Pétanque aussi. Malik Lanaya. Lanaya pour ça, Hidalgo. Venez récupérer les fiches de jeu, s'il vous plaît. Donc
Stéphane Garin qui va tirer pour sa première boule tirée. Il est bas. Malheureusement, elle n'est pas sortie de la main. C'est ça. Ils avaient une bonne main pour eux et à la sortie, Monaco, allez, ils reprennent l'avantage. Dessy, l'Espagnol, pas couvert pour les parties de cadrage. Sur le jeu numéro 5, beau tir de... Ouais, c'est Quentin Szyszkowski qui pointe de tête dans la triplette. Alors que le week-end dernier, il perd en finale en étant tireur tête. J'avais pas de partie au 60. Bon après, le mot pointeur dans cette équipe-là veut pas dire grand-chose. Hein. Je pense qu'il fait mieux et que c'est Massiste qui garde ses deux boules pour tirer à 5 et 6 à chaque fois. Je ne pense pas que Quentin pointe de tête. Ben, je sais pas, où Jean-Orient a tiré et Dylan vient de tirer. Donc. Michel, il a deux boules en main encore. Avec une question de l'équipe numéro 40 pour les cadrages, Jean-Pierre Pereira. C'est Quentin qui fait le bossu, comme on dit. Voilà. Tirage 15-31, ça couvert pour jouer face à Denis Witt. Donc les Monaco qui ont une belle opportunité. Donc voilà, Monaco ont une très très belle opportunité devant eux là. Ouais, ça laisse la clé avant les barrières un peu du S. Non, c'est pas David à côté, c'est Mika, Eric Mott qui a manqué. Donc ça fait un point pour Monaco, ça doit faire un partout. Donc monsieur Mika, un partout après la deuxième main. Tout à fait, très belle partie. Et on va vous annoncer le petit Jimmy Callard qui a gagné sa partie après les poules. Et aussi Yann Sœur avec Quentin Wisman, Maxime. Notre Jimmy Callard national. Ah, c'était le petit coup d'œil pour mon Jimmy. Donc très beau point de Jean-Pierre. Donc, je vous rappelle que l'affichage a été effectué, messieurs. Ce serait sympa de venir regarder Yannis la partie qui va et vous avez des terrains attribués. Donc vous n'êtes plus qu'à aller sur vos terrains pour jouer. Ce n'est pas compliqué, je pense. Hein. C'est bien vous avez tiré, les terrains poussé, qui sont attribués sur le panneau d'affichage. Ça va qui se peut-être pas suffire. À ça va les obliger à rejouer. Mais il a fait de la place parce que. De la place pour gagner maintenant. Il avait embouchonné. Enfin, à mon avis, voilà, c'est ça. Stéphane n'est pas d'accord. Il veut me voilà, Damien Rosier, venez récupérer vos fiches de jeu, vous êtes couverts. Et Denis, vite, d'un pétanque Saint-Benoît, l'équipe 135, vous êtes couverts aussi, venez récupérer la fiche de jeu, s'il vous plaît. Et donc il avait raison Stéphane, puisque c'est eux qui tiennent. Donc c'est Jean-Pierre qui va s'élancer pour pointer. Ah, tout à fait. Voilà, bienvenue à l'Alpe d'Huez, le vent s'est levé. Ici on n'est bien que le matin. Le matin jusqu'à midi. Jean-Claude Jouffre, s'il te plaît. Donc qualification de Christophe Sevilla, Jean-Claude Jouffre et puis Sébastien Rousseau qui ont gagné la première après les poules. Donc Jean-Pierre qui a pointé un mètre devant, donc du coup l'équipe à Stéphane Garin qui vont pointer. Qualification de la 210 pour les cadrages de Quentin. Donc c'est Michel. Tirage 15-56, on sera couvert pour jouer face à Théo Gilibert. Donc monsieur Théo Gilibert, l'équipe 145, venez récupérer votre fiche de jeu, s'il vous plaît. Gilibert, Wisman, partie de cadrage. Donc bien joué, du coup qui envoie Mott
Eric au tir pour l'équipe de Monaco, qui tire très bien. Hein. Les gardes d'un peu du S sont là ou pas? Les gardes d'un peu du S. Donc voilà. Ils ont été par le tirage, ils arrivent. Ils ont été par le tirage, ils savaient pas que le tirage était effectué. Il est au pied de la boule, elle a pas bougé. Donc. Il était au pied de la boule. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Et une petite dédicace à ma petite Pérez qui nous suit en direct sur Facebook. Donc voilà, petite dédicace faite. Allez, qualifié donc Cliffy Baroudi pour les cadrages. Il sera exempt de cadrage. Donc partie qualificative pour les 16e de finale. 15, 12 et on ne sera pas couvert. Donc Cliffy qu'on retrouvera tout à l'heure en 16e de finale. Théo Gilibert, merci. Thierry Bédin, le numéro 223. Baudin. Les gars, Baudin. Va retrouver ton René. René, allez, Thierry Bénin, 15-7, pas couvert au cadrage. Voilà. Attendez, restez là, peut-être que vous êtes tombés ensemble. Donc, Eric Mott qui va jouer la dernière pour Monaco. Une petite opportunité pour l'équipe de. Couvert pour les parties de cadrage. 15-19, petite opportunité pour l'équipe de Carin, qui ont encore 5 boules en main, le point par terre. Philippe Bertrand, Fossa, Thierry Petit, venez récupérer vos fiches de jeu, vous êtes couverts. Bertrand Petit. 47. Donc voilà, Steph, l'équipe Garin qui a une belle opportunité. Ça se jouera cadre JFP. Il a dû rajouter. Bertrand face à Petit, carré d'honneur, JFP cadre numéro 3, s'il vous plaît. Venez récupérer donc la fiche de jeu. Philippe Bertrand. C'est ça. Il doit y en avoir deux par terre. Vous avez l'équipe de Monaco qui est juste devant. L'équipe de Monaco, ils n'ont pas marqué leur point de la main d'avant. Jérôme, t'as mis des piles sur le côté pour ça là ou pas? Les qualifications de Jean-Luc Rossicci pour les parties de cadrage, les voici couverts pour jouer face à l'équipe de Romain Fournier. Fournier, Rossicci, couverts pour les parties de cadrage. Venez récupérer les fiches de jeu, s'il vous plaît. Ainsi que l'équipe de Philippe Bertrand, il y a toujours votre fiche de jeu à la table de marque. Il va y en avoir 3 déjà pour l'équipe Garin. On peut faire une main de 5 si... 12 à 12 l'équipe Alombert, Cassis, Collange contre Damien Courroy. Très belle partie aussi. Qui, à mon avis, l'équipe de Cassis ne sont pas bien sur la main. Il doit y en avoir 3 pour l'équipe Garin. On va attendre qu'il note le score, ça va faire 4 à 1 normalement. Donc voilà, vous avez Philippe Bertrand qui va jouer. Ok, bon appétit monsieur Bertrand. Donc voilà, on va voir le score qui va être mis à jour. Non, l'équipe mode, ils n'ont pas très encore. Le B vers un X. Donc on attend l'actualité du score pour voir s'il y en avait 3 ou 4. Donc, je ne sais plus combien ils en ont fait. Stéphane, il va aller le mettre à jour. Allez, petite question de Alain Aguno. Pour les parties de cadrage, tirage Alain Aguno, case 26. Donc, Michel au point. Il ne sera pas couvert. Ah, ils ont fait une belle main, hein, l'équipe Garin. C'est bien ça, il y en avait 3. Alors, dernier rappel pour l'équipe numéro 323.
dans le concours B. Ça fait déjà trois fois qu'on vous appelle. Donc l'équipe 323, Pompard Alexandre, vous êtes attendu sur le terrain numéro 64. Donc Pompard Alexandre, terrain 64. Donc Michel qui a engagé, dernier appel. Donc on va demander à l'arbitre qui est sur le terrain derrière. Parce que ça fait un petit moment qu'on vous appelle. Donc terrain 64 s'il vous plaît. Pompard Alexandre. Donc Jean-Pierre qui l'a sûrement gagné, qui a envoyé Alice au tir. L'équipe d'Ivan, Cassis et allez, Tony Collange ont dû perdre Pérez pour les parties de cadrage. Case 58, on sera couvert pour jouer face à Nicolas Maton. Maton, Pérez, on va se couvert pour les parties de cadrage. Venez récupérer vos fiches de jeu, s'il vous plaît. Il a bien tiré Yanis encore. Je connais pas ce jeune, mais ça a l'air bien tiré parce qu'il les sort facile. Hein. Il les sort facile. Voilà, ça doit être un jeune d'ici, je pense. Non, je pense que. Je crois qu'il est du club à. Stephen Guérin. D'accord. Oh, quel grand silence! Pardon, c'est Jérôme de Souza qui saoule ma gueule. Donc voilà, n'hésitez pas à partager le live. Hein. Nous, on est partageurs. Donc voilà. Donc Franck Milo qui est resté un peu court et du coup qui envoie son tireur à la charge. Eric Motte. Voilà. Il va tirer à la boule derrière. Ah non, il va pointer. Oh, ils ont tourné. Ah oui. Sur le terrain numéro 1, nous avons une belle partie entre Farid Emissi et Michel Atchadorian. Je pense qu'il l'a encore perdu. Et Michel encore un quart. Arrive qui va essayer de lui rendre. Franck Milo qui est un c'est peu court. C'est rendu. C'est rendu. Aïe aïe aïe, l'équipe de Monaco ils sont dans le mal, là ça fait deux mènes. L'équipe Guérin, ils vont pouvoir faire un petit trou je pense. S'ils ont le point par terre et ils sont, si je dis pas de bêtises, ils sont 4 boules à une. Et le point est par terre. Ça peut faire mal, ça peut faire mal. Voilà. Nous rappelons aussi que nous tirons notre chapeau à tous les bénévoles du club du Cochonnet. Notre bonnet serait le la meilleure expression possible, mon petit Ludo. Voilà. Il ne faut pas l'oublier, sans les bénévoles, il n'y aurait pas de manifestation. Donc bravo à eux encore pour cette organisation, parce que c'est une semaine de travail avant. Et une semaine après. Bien sûr, plus des mois d'organisation et de réunion. Ah, national, ça se fait sur une année. Hein. C'est ça. Une année donc, sur l'autre. Voilà. Guérin qui réfléchissent pour voir s'ils vont pas tirer dans les deux boules devant. S'il a le bonheur bien tiré, Yanis, il ouvre le jeu. Ils en ont trois pour rajouter, ça peut. S'ils en font quatre dans la main, c'est bien. Hein. Ça sera une main payée. Ah ben s'ils montent 8 à 1. Si voilà, il va tirer la boule à gauche, un petit peu devant pour ouvrir encore un peu plus le jeu à Stéphane et à Michel. Oh, il a super bien tiré. Il a fait carreau dans les deux. Est-ce qu'ils vont tirer? Bah, Stéphane va tirer derrière. Donc il tire à deux déjà, Stéphane, à trois au carreau. Et s'il fait carreau, ça sera 5. Hein, parce qu'il n'y a plus rien qui gêne. Je sais même pas si ça ferait pas peut-être 6 avec la boule au fond. Ah, bravo. Il y en a trois par terre. Il y en a quatre.
Superbe mène de l'équipe de Stéphane Garin. 5 points voilà. Ou 6, on va le voir. À mon avis, ça doit être 5. Je ne savais pas quelle était la boule à gauche. Mais même si c'est 5, c'est une super. Ça fait 9 à 1. C'est une très belle mène. 9 à 1. On est... Allez, tirage cadrage pour Corentin Tourelle qui sera exempt de cadrage. C'est ça, 9 à 1. Qualificatif pour demain pour Corentin Tourelle. T'es allé au magasin à l'acheter non plus? Regarde Ludo ce qu'elle a acheté ma chérie. Mika. Elle a acheté quoi? T'as carrément acheté le pull. T'as pas chaud toi? Non, justement. Donc 9 à 1 pour l'équipe à Garin. Allez, pour Corentin Tourelle, donc tirage. 16ème de finale. Case 10, pas couvert. Petit bâton. Tu fais que manger le chignol. Donc Michel encore au point, qui est chez lui. Et c'est son anniversaire en plus si je ne me trompe pas. Qui est encore très très bien pointé parce qu'il est 62 ans. Il en voit encore. Champion de France de quoi? Voilà. Vous avez entendu. Eric Mott, malheureusement, a pas fait passer un ton en dessous face à la puissance. Allez, voici un nouveau cadrage ouvert. On va jouer David Ponce qui va affronter Alain Agudo. Agudo, Ponce, venez récupérer les fiches de jeu, s'il vous plaît. Jean-Pierre qui a mal piqué et qui a sans doute perdu le point. Rien ne va pour l'équipe de Monaco. En attendant, l'équipe Garin, ils font une partie sérieuse, très très belle partie. Alors Raphaël, salut Raphaël. Donc Stéphane Garin, il joue avec Mézik Michel et Sebouzi Yanis. Qui est le tireur et Michel c'est le grand costaud qui est le pointeur. Donc, tu vas voir Yanis à l'œuvre. Voilà, Yanis va tirer là. Un très bon jeune hein, qui a très très bien tiré. Bon ben, on est désolé, il y a le joueur de la groupe s'est positionné devant. C'est encore tapé. Alors je sais pas si ça suffit, mais il a fait de la place. Alors ça suffira pas. De quoi? Même si on voyait pas de partie, je préfère voilà, une mène encore très mal engagée pour Monaco. Allez, qualification qui a quasiment pas le droit de manquer. Case 8, ah, on tiré. Sera ah, couvert très pour bien tiré, il a fait un peu tir au. On voit aussi le talent de... Florian Prost. Le talent et surtout jeu. L'expérience. S'il vous plaît. Alors, on attend toujours Alain Agudo, s'il te plaît, tu es couvert pour ta partie de cadrage. Alain Agudo, viens récupérer la fiche de jeu, s'il te plaît. Stéphane Garin qui l'a regagné, qui continue de mettre la pression sur l'équipe de Monaco. Ah, c'est encore bien tiré, petit palais. Ah, il y a peut-être 3 par terre. Tout à fait. 3 boules à boule. Au moins 3. Allez, qualification pour les 16e de finale de Romain Carta. Tirage case 23 pour les 16e de finale. Et on sera pas couvert. Monsieur Agudo. On salue aussi notre ami PHP.
Objectif pétanque. Plus qui est là, en face. Qui est juste derrière. Vous retrouverez son le reportage. Logo au but qui a fait un magnifique reportage. Allez, partie de cadrage. Vous verrez, de Damien Courroy va tirer la case numéro 49. Et on va jouer face à Jesse l'Espagnol. L'Espagnol Courroy couvert pour les parties de cadrage. Venez récupérer le fils. Il y aura une boule importante dans les boules de Yanis là. Parce que Monaco sont trois par terre. Donc voilà, l'équipe Garin qui font un point supplémentaire et qui monte à 10. Ouais, franchement, c'est Garin qui continue d'avancer, donc ils sont 10 à... tire bien ce petit jeune Yanis, mais il en a une à pointer, il l'a gagné, hein, parce qu'ils en avaient trois par terre. Ah, c'était une boule pas facile à jouer, sachant qu'il n'avait pas beaucoup pointé de la partie. L'avant-dernier, au point. Donc, toujours Michel, au point, qui pointe très bien depuis le début de la partie. Hein. Et à belle partie entre notre ami Philippe Romain Bertrand. Hidalgo, Antoine Hidalgo, Alex oui. Verny, ah oui, contre Zach. Malik, Zach, et il m'excusera, je ne me souviens plus du troisième. C'est ça. Donc voilà, Michel qui est à 1m sur le côté, 1m10 à gauche. Donc on vous rappelle le score de 10 à 1 pour l'équipe de Stéphane Garin, de Michel Mézic et de Yanis Sebouzi. Jérôme, j'ai besoin de te voir au podium s'il te plaît. Viens me voir mon petit Jérôme. Avant que je te chiche. Allez, je vous rappelle que le club des patins est parmi nous. Donc il vous propose des gaufres, des crêpes et il y a une petite tombola qui va servir pour tous les jeunes, pour l'école des patins. Voilà, allez les voir. Les crêpes, les gaufres et une petite tombola qui peut servir donc pour tous les jeunes qui participent à leur club de patins. Donc n'hésitez pas à leur rendre visite. Eric Mott qui a manqué encore. Juste à côté, si vous voulez, des petits bonbons. Il est encore dessous. Encore sous vous la douche sur l'arène. Ouais. Il va falloir faire un exploit. Je crois qu'il est toujours là. Point ou envisager le tir au bouchon. La boutique JBL Pétanque est parmi nous. Avec les nouvelles casquettes, les deux Fifi. Donc si vous voulez aller la voir, elle est disponible dans la gamme au but. De l'autre côté, donc, Churros, nos amis aussi qui sont là, c'est pour les Churros. Eric Mott qui a tapé celle-là. Et elles sont toujours là aussi, ils sont en train de les ouvrir, la joie. Donc, si vous voulez faire une petite dégustation d'huîtres, n'hésitez pas à aller les voir. Les piles. Je crois que tu m'avais pas laissé, là, je crois. Donc Stéphane Garin qui va pointer. S'il le gagne tout de suite, il fait un sacré boulot. C'est jusqu'au qui sert. Allez, voici un nouveau cadrage couvert. On va pouvoir jouer sur le cadre numéro 5, c'est le cadre de l'Office du Tourisme, où on va jouer Anthony François, qui va affronter l'équipe de Christophe Sevilla. Sevilla, Anthony François, venez récupérer les fiches de jeu, vous allez jouer cadre Office du Tourisme. Donc là, voilà. Christophe.
Il est resté un peu court, notre ami François, Franck Milo. Donc ouais, là ça sent pas très bon pour l'équipe de Monaco. Les carottes sont cuites. Ouais, ça va être compliqué. Hein, si... Je peux peut-être juste râper, mais ça va être compliqué. Je vous quand rappelle même. À nouveau pour les déchets, hein, pensez bien à nos amis de l'Alpe à récupérer les déchets, les mettre à la poubelle. Ça sent sympa d'avoir un peu de civisme, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a pas mal de bouteilles qui traînent. Donc c'est pas compliqué, je pense, de prendre leur bouteille une fois que vous l'avez fini et puis la jeter à une poubelle, je crois. Mais bon, un peu de civisme de tout le monde, ça serait cool à vous, merci. Aïe, je crois pas qu'il l'ait gagné encore. Je crois bien qu'il reste 3 boules à l'équipe de Garin contre une de l'équipe de Monaco. Alors là, ça sent pas bon, là. Allez, bien, numéro 1, ils sont pas rentrés dans leur partie. Là. C'est un joli carreau qui leur met en on va retrouver face à Jérôme de Souza. Oh. Jérôme de Souza, venez récupérer votre carton de jeu. S'il vous plaît, vous êtes couvert pour votre partie de cadrage. Il joue contre qui Je n'ai pas entendu. Contre qui joue, Jérôme? Juste là, Francis. Monsieur, là. Il s'en va. Non, il demandait contre qui jouait. Oh, là. Donc voilà, Stéphane Garin, ils ont la gamme dans les mains avec Yanis. Ils ont 3 boules pour en rajouter 2. Donc si Stéphane le rajoute, il aura la tâche un peu moins compliquée. Ah, malheureusement, je sais pas s'il a pas cassé le sien. Il a peut-être démarqué derrière. Ça n'a pas d'importance, même si vous n'êtes pas ça va être un peu plus compliqué pour gagner maintenant. Surtout si Stéphane l'a démarqué. Donc voilà, l'équipe de Stéphane Durand, Pierrick Caillot, Jérôme de Souza qui vont aller jouer leur partie de cadrage. Ouh, il a bien monté celle-là. Un peu trop même. Bah, il l'a monté un peu trop loin. La neige. Je n'ai pas bien loin. On va peut-être aller chercher les gants maintenant et les charges. Elle est sur la montagne d'en face. Et eh ben on va voir s'ils tiennent quand même ou pas. Il y a peut-être 1, 2, peut-être 3. Parce que d'ici on voit rien. Oula, s'il mesure là-bas. Oula, là, s'il mesure celui-là, c'est qu'il y en a déjà 2. Non, moi je prends pas de photo pour Audax. Donc 2 points supplémentaires pour Garin. En fait, il avait pas démarqué. Hein. Donc normalement il doit y avoir 12 à 6. Donc il y a monsieur Franiou Patrick qui est encore en action. Non, un point. Donc 11 à 1. Un coup il fait froid, un coup il fait chaud. 66. Ça ? Ouais. Gagné ? Ouais. 8 à 8 pour Farid Demissi et
et Michel Hachadorian. Encore bien engagé par Michel. Michel qui fait une très bonne partie au point. Là. Bravo. Hein. Toujours en train de se plaindre, hein, ces petits vieux. Donc voilà, Eric Mott qui va... Ah, ils ont tourné l'équipe de Monaco. Ah non. Ah, il est... C'est bizarre quand même, Mika. Il est 50-60 devant. Il ne tire pas. Bien pointé, il l'a gagné. Il l'a gagné. Mais bon, ça change... c'est dangereux parce que si tu prends un petit carreau, tu vas faire quoi? Mais en fait, ils ont complètement changé leur stratégie de jeu. Les licences, c'est là-bas, de l'autre côté. Donc voilà, Yannis qui continue, hein, fait une très très bonne partie. Ben, en fait, je crois que les trois de l'équipe Garin font une très très bonne partie. C'est Monaco qui sont un peu en dessous. On les espérait meilleur que ça pour le moment. Mais bon, la partie n'est pas finie, hein, on l'a dit tout à l'heure. Je te promets qu'il faut faire des petites parties. Dès que j'avais arrêté à un moment, c'est le monsieur qui a le chapeau en noir tout derrière là-bas qui est qu'on va écrire dans un agent social. Capuche avec la barbe blanche derrière. Les licences ? Pour annoncer, c'est là. Là, là. Le A ou Abel B, c'est là. C'est la fille. Donc Eric Mott, voilà, qui vient de tirer. 78. Pas de terrain. Donc Michel qui va pointer, hein, pour l'équipe de Garin. Il joue quand même la sécurité. L'équipe 318 s'il vous plaît, vers la table de marque, merci. L'équipe 318. Alors qu'il n'est pas facile à gagner. Ouais, c'est les ça. Mais bon, ils sont pour le cadrage de l'équipe 11 de... Ils sont 11 à 1. Benjamin. Après, il peut, voilà, hein, comme et on dit, mettre à l'heure et essayer encore gagner. 228. C'est très, très bien joué. Didio Devi, venir à la table de marque. Didio Devi. Pour récupérer la fiche de jeu. Il pointe très très bien depuis tout à l'heure, Michel. Dommage, Yvan. C'était joli à partir. Hein. Ah, on a un petit rayon de soleil qui fait du bien. Voilà. Ça, c'est parce qu'il a vu passer Gisèle. Gisèle, la petite gazelle. Oh là là. Je vais le recruter pour... L'année prochaine, commenter à ma place. Ça risque de te coûter assez cher, mon petit Ludo. Donc, disons pour Franck qui a pointé. Alors, il est resté un tout petit peu court, mais il a une jolie boule devant. Donc, une belle opportunité encore pour l'équipe de Garin. Hein. Accompagné de Michel et de Yannis qui sont en tête 11 à 1 contre l'équipe de Eric Mott, de Milo Franck et Gilles Jean-Pierre de Monaco. Bravo. Il l'a gagné. Comment il s'appelle celui en bleu là? Tu les connais toi? Qui? Celui en bleu là. Malik. Devant là. Non. Si on n'y voit rien là, si il décale pas. Là. Comment il s'appelle? Celui qui a la casquette, est-ce qu'il peut bouger? Tu m'as dit combien? S'il vous plaît. Gagné? Tu sais que sur quel terrain? Putain, mais tu le connais lui en plus.
Donc Yannis qui a encore tapé, hein. Il tire très bien. Hein. Tout à fait. Tu veux le même, Yvan? C'est vrai. Je te le dédicace et je te le donne à la fin. Moi je dis c'est la jalousie, mon petit loup. Donc, je crois bien que Stéphane Garin il a deux boules pointées gagnées. S'il met les deux, je crois qu'il a gagné. Donc voilà, ça va dépendre déjà de la première. Et il a gagné à mon avis. Non. Donc il doit avoir carreau gagné sur la boule blanche. C'est ça. Voilà. Il a carreau gagné sur la boule blanche devant. Au moins pour monter à 12. Tout à fait, tout à fait. Jean-Michel. En l'occurrence, c'est tout à fait Mimi. Voilà, c'est ça. Il n'est pas droit. Donc l'équipe de Monaco qui s'en sort bien, qui met un J'ai point. J'ai cru que c'était terminé. C'était terminé et que mon petit Guérin allait arriver avant la boule. Il a craqué. On va le virer du groupe pétanque. Voilà les enfants, ce qu'il ne faut pas faire pour taper gagner. C'est ça. Comme il dirait mon ami Mika de Lyon, et ben moi je lui aurais fait une petite patinette. Après c'est jamais facile hein, de le taper gagner. Surtout quand tu joues contre une équipe de l'équipe internationale de Monaco. Oui. Donc l'équipe de Monaco qui s'en sort bien mais qui ont toujours du mal à engager leur main hein, parce qu'ils sont encore très loin là. Et Michel qui continue à gagner tous les points. C'est Michel régalade. Ah ouais, franchement. Ouais. Sur cette partie. Il a pas dû en perdre beaucoup. Ah non, les stats sont impressionnants. On demandera à Mademoiselle Dolores de me donner les statistiques. Très bien joué de la part de Monaco qui a joué avec sa boule d'or. Donc Jean-Pierre. Il y a Steven Chaplin, Médéric Verzo et Frédéric Michel qui vont démarrer sur le terrain numéro 2. Oh mais ça va, je peux rentrer encore un. Je peux rentrer encore quelqu'un dans la veste. S'il y en a un qui veut participer à la chaleur de la veste. T'as pas franchi. Mon Lucignol, je pense pas qu'il rentre dans la veste. Je suis tout maigre. C'est mon slim fast. Donc voilà, Yannis qui a tiré, qui était... Qui a manqué, malheureusement. Voilà, il a chiqué la boule, en fait. Parce que Monaco, on va en avoir qu'un. Demain matin, 9h30. Donc sur le terrain A, l'équipe de Kadef qui mène 9 à 8 contre Oujadourian. Combien ? Atchadorian, mon petit. Ils attaquent à tout va. Même une boule à 1m50 derrière, ils n'hésitent pas à aller tirer. Ils sont sûrs de leur force. Malheureusement, ils sont mal menés. Ils pointent. Ils ont changé de stratégie. Stéphane Garin au tir pour notre partie. Il a fait carreau. Et voilà. C'est la boule d'avant qu'il aurait dû faire carreau. Mais c'était peut-être pas la même pression de taper gagner. Et... Parce qu'on disait une boule taper gagner, c'est jamais pareil. Et vous êtes couvert. Je peux m'annoncer la terrain 66, 340, on a 360. Derrière toi. Hein? 340.
Eric Mott qui a tapé. Allez, dans le concours B, on va jouer terrain 66. La 340 contre la 370. On va retirer. Terrain 66, 340. Ah oui, ils ont la boule avant, 370. 4 boules à 2 en main et du coup ils défendent leur coin devant. 4 boules à 3, pardon. 3 boules à 4, à 2. Ah, il a bien tiré encore. C'est là qu'on voit aussi la classe hein, de Eric Mott. C'est ça. Voilà. Mène d'avant, il sauve un peu la mène à la sortie, il marque, ils ne savent pas pourquoi et derrière bah, il tape double. Voilà. C'est l'expérience qui parle. Allez, Jean-Marie Guichard. Jean-Marie Guichard donc exempt cadrage. Le voici qualifié pour les 16e de finale et on sera pas couvert. Du P, du A. Quel terrain ? Il n'y a pas de place. Ah là, vers moi, vers moi. Mais t'as fait le B toi ? Ah oui, merci. Il y a rien d'argent en plus. Oh monsieur. Chalère, t'étais sur quel terrain ? 68, peut-être. Tu lui en demandes trop. À Denon. Patrick. 347. Tu lui en demandes trop à Denon. Si. Sur P. Voilà, nous sommes de retour à l'Alpe d'Huez. Donc notre ami Mika qui travaille. J'ai jamais autant travaillé. Nous sommes désolés, il y avait eu un petit souci technique. Voilà. On dira pas, c'est de la faute à qui, à la froid bichette. C'est Madame Dolores qui avait tout modifié. Ça vient de la batterie maintenant. Allez, on vient une excuse. Ouh là 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 là, il s'est perdu Jean-Pierre. Donc nous sommes de retour, toujours 11 à 2 pour l'équipe de Stéphane Garin. C'est ton terrain. Et la deuxième boule jouée, c'était la bonne, il reprend le point. C'est là qu'il faut aller ou là-bas ? Là-bas. Donc l'équipe de Monaco a pas mis leur point. Du coup combien ça fait au score ? Bah, je ne sais pas, il y avait 11 à 2. Ils ont dû en faire un ou deux, donc je sais pas. Ouais, ça doit être un point, ça fait 11 à 3. Concours B, terrain 68, la 376 contre la 318. Terrain 68, 376 contre 318. Là, au milieu. C'était quoi ton numéro ? Non, on restait d'en bas. Où il y a le monsieur à chapeau. Ton numéro de l'équipe.
je sais bien, mais moi j'ai pas de mémoire. Quand t'auras mon âge, tu verras. Ah. Donc Yannis qui a fait chiquette encore. Ce matin tu me fatigues. Faudrait pas comme ça fasse comme la partie d'avant que ça tourne. Malheureusement, une partie à une autre. Allez, voici un premier 16e de finale qui va pouvoir se dérouler sur le cadre école du ski, c'est-à-dire les cadres numéro 2. On va accueillir Corentin Tourelle qui va affronter Joseph Coletta. Donc Coletta Tourelle, venez récupérer vos fiches de jeu pour votre 16e de finale. Donc c'est la partie qualificative. Donc c'était bien un point. Donc Tourelle, Coletta. Pour l'équipe Guérin face à l'équipe de Monaco. Voilà. Donc pour revenir sur le terrain 1 de Calef contre Adjadorian, Dizoski on va dire, 9 partout. Donc qualification pour les 16e de finale. Michel qui continue. Michel au point, il a encore gagné un point à 20. Partout vert. Fred Michel qu'on retrouvera tout à l'heure pour les 16e de finale. Ah mais ils n'ont pas l'habitude de me voir à ce poste-là, c'est pour ça. Eric Mott qui l'a sauté. Dans le trou là, quand il est pénible, c'est vous la 300. Et c'est bien tiré la deuxième petit palais de la part de Eric Mott. Il est bien par tout le secteur, mais alors c'est une horreur. Pas couvert. Non. Il y a 22. Donc encore une belle partie. Donc Michel qui pointe très bien depuis le début. Hein. Franchement, moi je suis quand même impressionné par le niveau de jeu qu'il nous montre au point, sachant que les jeux sont très durs. Ben là, il a perdu malheureusement. Il a trouvé le coup de main, comme on dirait. Ah. Ben, Stéphane Garin qui va tirer, d'après ce que je peux comprendre. On va finir par s'envoler à l'Alpe d'Huez. Voilà. Et sur le terrain numéro 3, il y a Kylian Amirou qui va démarrer sa partie de cadrage. Ou de 16e de finale, je crois même. C'est tiré, c'est poussé pour Guérin qui est encore sorti du rond avant de tirer. Heureusement que les arbitres ne sont pas plus vigilants que ça, sinon la boule aurait été peut-être annulée. Grande discussion là, autour de l'équipe de Monaco. Ils ne savent pas s'ils tirent, s'ils pointent. Mais ils en défendent peut-être deux ou trois. Ils en défendent deux ou trois, oui, tout à fait. Et le pointeur de tête qui a commencé, Jean-Pierre, n'a pas encore tiré de boule au milieu. Donc, ils vont peut-être changer de stratégie et pointer leur boule. Allez, qualification pour les 16e de finale de Lionel Bougnard. Case attribuée, c'est la case numéro 20, donc il sera couvert pour le 16e de finale pour jouer face à Fred Michel. Fred Michel, Lionel Bougnard, dans quelques instants, dans le carré d'honneur. Bon, il y a des belles parties, on se régale. Donc, du coup, ils ont pris la décision de tirer. C'est la bonne, parce qu'ils doivent en avoir 3 sur le tapis. 3 et 2 boules. 62, hein. À 2. En face. C'est devant là. Je sais pas si Stéphane a 2 boules ou 1. Une boule puisqu'il a tiré. Donc voilà, donc 2 boules à 1 pour faire belle main. Ça sera peut-être une main pour bien revenir si. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi ils ont hésité à tirer l'équipe de Monaco. Bah avez... après, Jean-Pierre n'a pas encore tiré donc. Voilà, et il n'était pas bien dans le coup au point. Et là, il vient de chiquer la boue. Ce qui ne va pas le mettre en confiance pour tirer la deuxième. Quoi qu'il arrive, déjà lui, il a cassé la gaine, Franck. Oui, tout à fait. Et Jean-Pierre, il tire à 3. 4 au carreau. Je pense que s'il la pousse juste, il sera content. Malheureusement, ça a été chiqué. Je ne sais même pas s'il ne tirait pas à 6 au carreau. Et l'équipe de Guérin mène 12 à 3. J'aime.
Ah, il tirait à 4, il tirait à 5 au carreau dans le fin de jeu. Donc, il tirait pour vraiment revenir dans la partie. Malheureusement. Qui a manqué. Malheureusement, ils sont au bout du trou, je pense. Donc voilà. Le moral ne doit pas être bien haut. Non, attends encore. Gagné ? Oui. C'est sur quel terrain ? 65. 65 ? Je crois. Donc Michel qui continue encore dans le bouchon, qui envoie Eric Motte au tir. Donc voilà. Pas couvert. Pas bien tiré de la part de Eric. Encore bien joué, hein, il a encore un bouchon, il fait une partie sérieuse Michel. Donc bravo, hein, une très très belle partie du pointeur. Motte hein, qui a fait deux palais. On est dans la même configuration que l'amène d'avant. On va voir si ce coup-ci ils vont arriver à enchaîner le troisième tir. Bah après il avait bien tiré Franck Milon au milieu. C'est Jean-Pierre qui a eu un peu plus de mal. Donc ils vont peut-être pointer. Non, non, ils vont au tir. Ouais, en même temps ils veulent espérer faire une belle mène. Ils cherchent les grosses marques. Bah, de toute façon, ils sont 3-12, donc ils sont au pied du mur. Ils ont plus de choix. Bah, c'est pareil, s'il le gagne, Monaco, au point, il n'a pas le droit de manquer le petit Yanis. Sachant que le petit Yanis, il reste sur 4, tu vois, c'est ça. 4 trous dedans. Ah, ils vont peut-être faire tirer Jean-Pierre s'il manque, qu'il part au bouchon. C'est possible. Aussi. C'est possible. Je pense qu'il va tirer et s'il manque, et ben. Notre ami Milo va partir Milo, il prend ses responsabilités. Bien tiré, il y en a 3. Super bien tiré. Voilà, c'est ça. La paire de Jean-Pierre. Et ces deux premières qu'il a tirées la main d'avant, elles étaient bien tirées à la sortie de main quand même. Hein. Il n'est pas après, non plus. Il a fait chiquer. Voilà. Il a chiqué deux. Ça aurait pu mieux se passer, ça s'est moins bien passé. C'est ça. Hein. C'est les aléas de la pétanque, malheureusement. Donc Stéphane Garin qui l'a bien gagné, il allait se mélanger un peu mieux des boules avant en espérant un petit contre derrière. Tiens, c'est bien, mais c'est intelligent. Il l'a pas fait trop beau, comme ça s'il prend en carreau net, il aura encore la place pour le gagner. Donc toujours Jean-Pierre qui part tirer. Oh, il est 10 devant et. Il est loupé. Il est 10 devant. Donc qu'est-ce qu'il va faire notre ami Franck? Donc à mon avis là il va tirer à la boule en espérant faire un petit palais ou il va pointer. Ah il va peut-être essayer. Il le gagne deux fois, il faut qu'il tape double le jeune pour gagner. Là sur ces jeux ils sont allés. En fait s'il le gagne le petit Yanis il pourra tirer. Oula, retire. Par contre s'il l'a perdu, c'est mal joué. S'il l'a perdu, il va devoir jouer à deux. Il l'a perdu et les choses se compliquent. Celle-là, s'il ne rentre pas à deux, je pense pas qu'il manque double, petit Yanis, à 6m50. Oh, bien joué. Bravo. Ton vœu va être exaucé. Tu vas avoir la possibilité de voir le petit chien. Oh, il a chiqué. Fait casquette à la première. Il est obligé de pointer sa deuxième. Et là, il faut le gagner. C'est peut-être un mal pour un bien. Donc sur le terrain numéro 1, accélération de Ouchadore, Adjordorian, Zizowski et Cano qui sont 12 à 9 contre l'équipe à Calais.
Donc Yannis qui est obligé de pointer, il a pointé gagné. Par contre, s'il ne gagne pas, c'est qu'il a perdu sur les deux et Monaco reviendrait 5 à 12. Bravo, il l'a gagné. Donc bravo à l'équipe de Michel, Mézic, Garin, Stéphane et Sebouzi Yannis qui a mis le 13e, qui se sont qualifiés pour les 16e de finale du National de l'Alpe d'Huez. Donc merci encore à Mika de m'avoir accompagné. Donc à chaque partie je lui achète un truc, maintenant je vais aller chercher les gants après le bonnet. Donc bravo à tout le monde et on vous dit à tout à l'heure pour un 16e de finale.